troisième édition de Connect, que nous avons lancée donc il y a 3 ans et qui réunit les groupes de distribution. Cette année, nous avons 95 groupes présents, les sociétés de services et les constructeurs automobiles. C'est un événement assez unique en son genre puisqu'on réunit de nombreux groupes de distribution qui pèsent, pour vous donner une petite idée, près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente en tout 2000 points de vente en France. Pendant ces 2 jours, on traite des thèmes actuels complètement disruptifs et d'évolution digitale. Et pour cela, nous avons 12 ateliers tout au long des 2 jours qui, à travers des experts, leur permettent au groupe de distribution de poser des questions, d'échanger et de trouver éventuellement des réponses pour leur avenir. Cet événement est assez unique dans la mesure où ce networking a lieu pendant les pauses, pendant les déjeuners, pendant le dîner. Et Connect, c'est de l'humain. Je suis là aujourd'hui pour représenter le CNPA à une manifestation qui regroupe une centaine de groupes de concessions. Et cette manifestation est dans un esprit convivial et particulièrement intéressante pour réfléchir sur l'avenir de la distribution de demain. Le CNPA, par son activité aujourd'hui dans la prospective, encourage fortement cette réunion. Nous sommes très près de Connect et nous pouvons demander à tous les concessionnaires qui ne sont pas encore venus d'être présents l'année prochaine. C'est vraiment une manifestation où il faut être. C'est fort pour la profession et c'est donc fort aussi pour le CNPA. Je suis venu durant ces 2 jours à Connect pour échanger entre nos collègues. C'est toujours extrêmement riche d'enseignements. On est venu aussi ici rechercher de l'information parce qu'on a besoin de savoir quelles vont être les perspectives de la distribution automobile. Entre guillemets, on va le dire un peu crûment, mais à quelle sauce on risque d'être mangé dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc, je dirais, ces 2 jours nous permettent toujours, lorsqu'on rentre dans nos concessions, il y a toujours ou une idée ou une action à mettre en place.